En 2013, un jour, c'était dans le mois d'octobre, un ami m'appelle et puis me demande, mais est-ce que je connais le programme de la Divi Lottery? C'est un programme américain organisé par le gouvernement américain qui permet de voyager, d'immigrer aux États-Unis. J'ai dit, mais est-ce que ton affaire là, c'est sérieux? Parce que je recevais des emails des gens que je ne connais pas avec Divi Lottery et puis me demandant de payer quelque chose en dollars. Bon, jamais considéré, hein, jamais considéré. Et lui me dit, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont des anarcheurs, qui utilisent ce programme-là pour anarcher les gens, mais le programme réel existe. C'est organisé par le gouvernement américain et c'est gratuit. Pour ceux qui peuvent s'inscrire seuls, c'est gratuit. Maintenant, si vous faites aider par un cabinet, évidemment, le cabinet va vous charger, va vous demander de payer quelque chose. C'est un travail qu'ils font. Hein, tout travail qu'on fait, hein, on se fait payer pour ça. Mais le programme en lui-même, il est gratuit. Pour ceux qui peuvent s'inscrire seuls, il n'y a pas de souci, c'est gratuit. Et donc, il m'a rassuré et puis il m'a demandé de venir avec toute ma famille. Je suis allée avec mon mari, mes enfants et nous sommes allés faire l'inscription. On a fait l'inscription et il nous a dit, ok, vous allez attendre. On était en octobre, donc en mai, c'est-à-dire dans 6-7 mois, on aura les résultats et on verra si vous êtes sélectionné ou pas. J'avoue que j'étais un peu sceptique, mais il m'a rassuré. Il m'a assuré. Et puis j'avais beaucoup de préjugés sur les États-Unis. Je me disais, mais les États-Unis, la vie coûte cher ici, l'école coûte cher, la santé coûte cher. Qu'est-ce que je gagne à venir ici avec le nombre d'enfants que j'ai? J'ai 5 enfants. 5 enfants. Et donc il m'a dit, non, il n'y a pas de souci. Quand vous allez arriver là-bas, vous allez voir sur place, on a des gens qui sont là-bas déjà. Il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de préjugés. On a beaucoup d'idées sur les Américains, sur les États-Unis, sur la vie aux États-Unis. Mais il m'a rassuré. Et donc on a attendu. Mais l'erreur qu'on a commise, c'est que comme je dis, j'ai 5 enfants et il y en a un qui avait 20 ans. Et eux, ils nous ont dit que pour le programme en question, il fallait avoir 18 ans maximum. Donc les enfants qui ont plus de 18 ans, ils ne pouvaient pas faire partie de notre dossier. Et donc mon fils, on ne l'a pas mis dans le dossier et c'est ce qui a été notre erreur. Après, ils se sont rendus compte que c'était 21 ans. Et donc, il pouvait être dans notre dossier. Et donc, on l'a exclu du dossier. Et après, évidemment, il y a eu des conséquences. Mais c'est quelque chose qu'on peut régler. On peut régler. Nous sommes en train de chercher à le régler. Et donc, quand on a attendu et en avril 2014, donc je me suis inscrite en 2013, en octobre. Et en avril 2014, je revenais d'un voyage, d'un stage en France. Et en mai, début mai, il m'a appelé pour me dire que j'avais été sélectionnée et que notre dossier avait été sélectionné, donc on était éligible pour l'immigration, éligible. Parce que ça ne s'arrête pas là, hein. Il faut encore remplir les formalités, tout ce qui a rempli comme formalité, je vous assure, c'est l'administration américaine est vraiment, vraiment très détaillée là-dessus, procédurière à la limite, et il demande beaucoup de détails. C'est surtout pour ceux qui vont jouer la Divi, attendez-vous à fournir le maximum de détails sur votre vie. Maximum de détails sur votre vie, depuis votre enfance. Je vais faire une autre vidéo, je vais donner les détails de tout ce qu'on nous en a fait. Mais apprêtez-vous, ayez toutes les informations sur tout. Là où vous êtes né, les villes dans lesquelles vous avez fait plus de 6 mois. Quand vous allez remplir les dossiers, c'est ce qu'ils vont vous demander. Parce qu'en réalité, quand vous venez ici, ils doivent avoir toutes vos informations depuis que vous êtes né. Et quand vous n'êtes pas né ici, ils vont vous demander cela. Parce que pour ceux qui naissent ici, c'est quand je suis venue que je me suis rendu compte, dès la naissance, dès la maternité, ils ont un numéro qu'on appelle le numéro de sécurité sociale. Et partout ils vont, à l'école, à l'hôpital, chercher du boulot, partout ils vont, on les trace avec ce numéro de sécurité sociale. Quand on voit dans les films que souvent, les policiers... trouve des informations sur des gens, c'est pas de la fiction, c'est peut-être que le film est une fiction, mais c'est quelque chose qu'ils font réellement. Ils font réellement. Donc, pour ceux qui ne sont pas nés aux États-Unis, qui viennent comme immigrants, les Américains vont avoir toutes les informations sur vous depuis votre naissance. Donc, ayez les dates, les documents qui prouvent ce que vous dites. Donc, voilà comment est-ce que nous avons rempli les dossiers. Et puis, on a rendu les dossiers donc sur le site internet, on a validé, on a envoyé les dossiers sur le site internet et puis on a attendu
le rendez-vous de l'interview. Évidemment, il y a toutes sortes de choses qu'on fait un peu avant l'interview. Je vais revenir là-dessus, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc aujourd'hui, je me suis contentée de vous dire comment j'ai été en contact avec la Divine Lottery et comment est-ce que on a commis cette erreur concernant mon fils. Donc évitez de commettre les erreurs. Et donc pour cela, je vous conseille d'aller sur le site internet. Le site, c'est state.gov. Divine Lottery, state, je vais mettre dans la description. Il y a le site, ça doit être forcément .gouv parce que c'est le site officiel, c'est le gouvernement. Donc c'est .gouv. Il y a plusieurs sites qui viennent, qui prétendent être des sites de la Divi. Faites très très attention, il y a beaucoup d'anarcheurs, même ici aux États-Unis, il y a des anarcheurs en Inde, partout dans le monde. Donc je vais vous donner les liens exacts des sites que vous devez consulter. Et vous devez lire vous-même les informations, c'est vrai. Les gens qui vous suivent vont vous donner les informations, mais vous-même vérifiez. Vous pouvez traduire, si ce n'est pas déjà traduit en français ou dans votre langue, vous pouvez copier et traduire sur Google Translate. Parce que je pense que si vous voulez vraiment éviter les erreurs, faites un effort, vous devez faire un effort. Vous devez vous investir là-dedans, prenez votre temps, lisez, pour ceux qui peuvent lire l'anglais, pour ceux qui ne peuvent pas, copier et puis coller sur Google Translate pour voir exactement ce qui est dit par rapport à ce qu'on vous dit. Donc, soyez vraiment prudents là-dessus. Donc, je vous exhorte, pour ceux qui peuvent, allez-y jouer la Divine Lottery avec des personnes fiables ou bien jouez vous-même sur le site internet. Et surtout, ne vous faites pas anarquer et vérifiez les informations qu'on vous donne. Je vais faire plusieurs vidéos pour vous expliquer mon parcours à moi, mon expérience. Je n'ai pas toutes les informations sur l'immigration, non, je ne prétends pas ça du tout. Mais au moins mon expérience, je vais partager avec vous, pas à pas, pour que vous voyez un peu comment est-ce que tout cela s'est passé, pour qu'on arrive jusqu'ici aujourd'hui, et pour qu'on arrive ici et qu'on vive, comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on résout nos problèmes, comment est-ce qu'on a essayé de nous intégrer et tout ça. Et je vais partager toutes ces expériences avec vous. Que Dieu vous bénisse, j'espère qu'elle continue à vous faire du bien, surtout pour ceux qui s'intéressent à la vie aux États-Unis, qui sont intéressés par l'immigration. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Thank you.